Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé, qui est la collection de mes accessoires cheveux. Donc, si vous entendez baragouiner, c'est Enzo qui joue en haut. Voilà. À sa console, hein, et voilà, il joue pas au petit train non plus. Donc, on va commencer dans cette vidéo par les headbands et les serre-têtes. Et je vous en ferai une deuxième, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus trop, avec les chouchous, les élastiques un peu décoratifs, les pinces, et enfin tous les trucs un peu plus chouchous et accessoires divers. Voilà. Donc mes headbands, je les range dans une des boîtes Sephora comme ça, que je trouve très pratique, mais qui est très compliqué à ouvrir d'une seule main. Et voilà, donc vous pouvez voir que j'en ai... pas mal. Donc là c'est les headbands, bandeaux et tout ça, tout ça. Donc bien sûr on retrouve les classiques, le noir, le gris. Qu'est-ce que j'ai en classique? Je crois que c'est tout. Encore un noir, j'en ai encore un en bas de noir. Hein. Donc je suis pas en manque de bandeaux noirs. Je vais vous montrer rapidement les petits headbands que j'ai, que j'utilise un peu moins. Je préfère les serre-têtes à vrai dire, mais j'en ai quand même quelques-uns, dont certains que vous voyez très souvent et d'autres que vous voyez que très peu, voire jamais. Comme ça, je peux racheter au fur et à mesure. Celui-là, je vais le remettre là, les autres, je vais les descendre. Alors, j'ai tout d'abord un très... non, celui-ci, c'est à paillettes. Donc ça vient de chez Action. Je l'ai trouvé chez Action. Voilà, tout simplement, je trouve qu'il est très, très, très joli dans les cheveux. Et voilà. Après, moi, j'ai le problème que les headbands, si les élastiques plats comme ça tiennent un peu mieux, mais les élastiques vraiment ronds ont du mal à tenir derrière ma tête. Voilà. J'ai pas une grosse bosse ici derrière, là, et du coup, ça tient pas bien. Je vous montrerai mes préférés après. J'ai celui-ci en plus large, qui fait aussi très joli dans les cheveux, quand il est bien mis, hein, bien sûr. Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est un style de crochet. Et j'ai dû remettre un élastique derrière parce qu'il n'était plus du tout élastique. Donc, j'ai coupé debout et j'ai remis un élastique plat. Je trouve qu'il fait très beau, surtout en été. Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien en été, celui-là. Ça, c'est un que je mets assez peu parce que, justement, il ne tient pas du tout parce qu'il a double élastique comme ça. Mais il est très beau. Voilà, c'est deux bandes comme ça avec des strass noirs et argentés. Donc, il est joli. Qui allait avec l'autre, c'est un tressé comme ça. Je vais le mettre de temps en temps encore. Un tressé gris. Et je trouve quand même, comme ça, il est très joli. Voilà. Celui-ci, je crois que je ne l'ai absolument jamais mis. J'avais eu ça, c'est un Garancia. Hein. Je l'avais eu en cadeau de la part du représentant Garancia quand je travaillais. Il a deux bandes aussi, donc une chaînette avec des strass et une avec une cordelette argentée. Voilà, il est très beau, mais c'est vrai que je le mets très peu. Celui-ci, je l'aime bien aussi, c'est un avec 4 rangs, donc 3 rangs arrondis, élastiques arrondis, puis celui-ci qui est un peu plus avec des petits fils argentés dedans. Voilà, il est très simple. Il y a celui-ci que j'avais racheté sur Vinted, donc vous avez déjà beaucoup vu. Mais je n'ai jamais utilisé celui-ci, en fait. Je l'ai racheté en headband, mais il faut que je refasse l'élastique. Il n'est absolument pas serrant. J'avais acheté ce headband-là chez Claire's pour mon mariage. Et la coiffeuse l'avait coupé pour garder que la partie là pour mettre dans ma tresse. Mais je trouve qu'il est tellement beau. Du coup, je l'ai racheté en headband. Mais bon, il faut que je remette un élastique que j'ai toujours pas fait. Parce que là, c'est un petit peu de dentelle et ça ne tient pas des masses. Mais dans les cheveux, il est vraiment canon. Et pareil, même comme ça, je l'aime beaucoup. Dans mes préférés, donc dans mes trois préférés, on a celui-ci avec les petites fleurs un peu cuivrées, bronze, comme ça. Voilà, je le cherchais en argenté, mais je ne l'ai jamais trouvé. Je trouve qu'il fait très beau dans les cheveux aussi. On a en argenté les petites feuilles. Voilà, que je trouve aussi très beau dans les cheveux. Bien. Et mon préféré de tous, ben, c'est un tout simple, hein. C'est un noir comme ça en velours avec des petits clous. Et celui-là, vous l'avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup vu, mais c'est mon préféré. C'est celui que je mets le plus. Et je l'adore. Alors, en bandeau, que j'ai toujours pas utilisé et qu'il faut aussi que je rafistole un petit peu, on a les deux
C'est du velours aussi, hein, en espèce de bandana, décoration bandana comme ça. Mais là, ils sont beaucoup trop larges, donc il faut vraiment que je couse pour les faire plus fins comme ça. Mais il faudrait que je prenne le temps de faire ça. On a un que Davy m'a offert, qu'elle a crocheté elle-même en rouge, comme ça, en laine. Voilà, c'est trop mignon. On en a deux plus larges avec un nœud devant. Donc, ils viennent tous les deux de AliExpress. On a celui-ci aussi en motif bandana. Voilà, je l'aime aussi beaucoup celui-là. Et celui-ci dans les tons un peu jaunes, avec un peu des motifs un peu aztèques comme ça. Et je trouve qu'il fait plus été celui-ci. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, en dernier bandeau, je crois que c'est mon préféré de mes bandeaux, c'est dans mon haul Shein. Donc, je remets le haul accessoires cheveux en barre d'infos. C'est celui avec les perles. Il est trop beau. Il est très large, donc il descend super bas sur le visage. Faut aimer. Moi, j'avais du mal à m'y mettre. Et au final, je l'adore. Voilà pour les bandeaux headbands. On a encore trois bandanas. Donc, je les ai, pareil, dans le haul Shein, mais je ne les ai pas encore utilisés. Là, je les ai lavés et repassés pour qu'ils aient une belle largeur. Donc, il y a le gris, le jaune et le rose. Voilà, je trouve que ça fait très beau, surtout pour l'été. Je ne sais pas pourquoi j'adore les bandanas en été, mais là, je crois que je l'ai plié un peu large encore. Il faut que je le fasse un peu plus étroit, quoique ça va encore. Donc, voilà ce que ça donne à peu près une fois porté, mais je ne les ai pas encore utilisés. Mais ça viendra, hein. Maintenant, on rentre dans le beau temps, donc ça viendra. Alors, pour les serre-têtes, j'en ai quelques-uns qui sont un peu fantaisistes, surtout pour les fêtes. Bon, il y a celui de Georges. Voilà. Le petit serre-tête licorne qui est trop mignon, que Amy lui a offert. Donc, que je peux potentiellement lui emprunter. De toute façon, ils sont rangés ici. Il est rangé ici avec les miens. Et j'en ai trois de Noël. Donc, j'ai le petit chapeau de Noël comme ça, que vous voyez très souvent dans mes vidéos de fête de fin d'année. J'ai le petit chapeau pointu là de fête. Très joli. Et mes petits bois de renne que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour ceux que je peux pas mettre tout le temps, mais les autres, je les mets vraiment tout le temps. Alors, il y en a un que je mets très souvent en vidéo quand je fais mes make-up et que je n'ai pas mes cheveux attachés. C'est celui avec mes petites oreilles de chat là. J'adore celui-là. Il est trop beau. De toute façon, je le mets très souvent, très régulièrement, parce que je le trouve vraiment beau. Donc, il vient d'AliExpress. Je ne saurais pas vous remettre les liens de tout. J'essayerai de retrouver les liens AliExpress. Et pour Chine, de toute façon, vous avez la vidéo en barre d'infos et je vous ai mis les liens vers chacun des produits que j'ai achetés. Voilà. Et il y en a d'autres que je ne sais plus d'où qui viennent. Hein. Celui-là, j'avais trouvé chez Cora. Celui-là, Action. Celui-ci chez Cora aussi, l'autre c'est un cadeau d'Amy, comme je vous ai dit pour Georges. Les petits chats viennent de AliExpress, comme je viens de vous dire. Alors, je viens d'en récupérer récemment deux hyper classiques, hyper basiques, des noirs comme ça, un plus large et un plus étroit, que je mets absolument pas. J'aime déjà pas ceux en plastique, j'aime pas trop. Mais là, je les ai récupérés pour si je dois me faire des serre-têtes. Pour des vidéos un peu plus spéciales, des make-up un peu plus artistiques, voilà. Donc pour me recamion, pour me fabriquer des petits serre-têtes, c'est toujours. Voilà, c'est mieux. Quand j'en ai besoin d'un, je vais en acheter un chez Action. Il coûte 3 balles, quoi. Enfin, 3 balles, 3 centimes, en tout cas, c'est. Alors, j'en avais récupéré un chez ma mère qui est celui-ci. C'est le premier large que j'avais, avec un nœud comme ça. Voilà ce que ça donne. Je l'aime bien aussi, sauf que ici, pareil, il faut que je recolle un peu. Il s'est un peu décollé. Donc, il fait un peu trop haut. Mais sinon, il est très beau. Avec un peu effet serpent. Mais je ne sais pas du tout d'où ce qui vient, puisque je l'avais récupéré. J'avais acheté le Lola sur Shein et je les adore en large comme ça. Donc, il y a le beige et le noir. Et je trouve qu'ils font tellement beau dans les cheveux. Ça fait vraiment bandeau. Mais je préfère les serre-têtes. C'est plus facile à mettre et ça tient mieux sur ma tête. Mais je les trouve tellement beaux ces deux-là. Oh là là, j'en suis dingue. Voilà, bon, le noir sur mes cheveux se voit un peu moins, c'est un peu plus discret, mais bah, comme quand je mets un bandeau, quoi. Mais oh, je les adore. Je les adore, je les adore, je les adore. Alors, j'en ai un qui vient encore de chez Action, qui est très vieux et que je mets très souvent aussi, c'est celui avec les perles.
Voilà, je l'aime beaucoup, il est très simple, hein, mais bon, j'adore les perles après. Bon, c'est pas des vrais, hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Mais je crois que j'avais payé 30 centimes. Hein. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un de ceux que je mets le plus, que vous voyez le plus souvent, c'est celui-ci. C'est le noir en zigouigoui comme ça, avec un des petits strass. Et il venait dans un lot de deux, mais je sais plus du où. Hein. Je crois que ça venait de chez Action aussi, possible. Donc là, c'est celui que j'utilise le plus hein, quand je. Normalement, c'est celui que j'ai en bas pour mettre quand je suis en bas et que je traîne à la maison. Parce qu'il ne me dérange pas, je peux le laisser très longtemps, celui-là. Il me fait pas mal derrière les oreilles ou quoi. Et celui-ci, voilà ce qu'il donne. Et pareil, il ne me gêne pas du tout sur la tête. J'aime beaucoup. Je vais tout décoiffer à force de mettre tous mes airs d'être sur la tête. Hein. Alors, dans le même esprit, j'en ai acheté un sur Vinted. Parce que je cherchais un autre que je ne trouvais pas, mais que j'ai trouvé après sur AliExpress. J'avais acheté celui-ci, donc qui est un noir avec des strass en trois rangs, comme ça. Et oh my god, qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Voilà. J'adore. Après, vous remarquerez que j'aime beaucoup tout ce qui brille. Hein. Voilà, je suis une vraie fifi. Hein. Celui-ci, je crois que je vais pouvoir le jeter. Je viens de voir qu'il est totalement décoloré. Il y a des taches noires dessus. Mais c'est encore un avec des strass. Il est très vieux, celui-ci. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il donne sur la tête. Je verrai au montage si on voit qu'il est abîmé sur la tête ou pas. D'ici, je vois pas. Hein. Mais je pense que celui-là, je vais devoir le jeter parce qu'il a quand même viré de couleur. Toujours sur Vinted, je vais vous montrer les deux derniers que j'ai achetés sur Vinted. J'ai acheté celui-ci avec des petites fleurs bleues. Voilà, parce que je n'en ai pas vraiment de coloré. Donc, et je trouve que pour le printemps, là, avec un petit make-up bleu... Ça va être très joli. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas encore utilisé. Et j'ai voulu mettre celui-ci pour la vidéo d'avant. Et si vous... Donc, c'est ce make-up et tout. Donc, c'est le même jour pour moi. Hein. Faut vraiment que j'arrive à les déplier un peu parce qu'il me faisait super mal derrière les oreilles. Mais c'est un doré tressé comme ça. Je rappelle que la route est interdite au camion. Je le trouvais très beau. Voilà. Et comme j'ai pas de doré, je me suis dit, je vais quand même en prendre un pour, bah justement, là, j'ai des écritures dorées sur mon t-shirt, donc je trouvais qu'il allait super bien. Mais il faut que j'aille le détendre un peu, parce qu'il m'a fait super mal derrière les oreilles. Oui, il est trop serré derrière les oreilles. Donc, je vais attendre que Chéri rentre pour me régler ça. Alors, un que j'ai trouvé sur AliExpress et que j'ai commandé à cause de Manon, parce qu'elle en a un en doré. Je le trouve trop, trop, trop beau. C'est vraiment un multi-rang. Hein. Vous en avez 7 rangs, 3 de strass et 4 avec des fleurs en strass. C'est avec des étoiles en doré qu'elle a, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là, c'est une merveille, ce serre-tête. C'est un bijou, quoi. Un bijou. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore, il est trop beau. Oh, j'adore, 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 j'adore. Et pour finir, les deux derniers que j'ai achetés sur Vinted, il y a celui-ci en chaînette, là, en grosse chaînette argentée. Donc, il existe en doré aussi. Hein. Et je le trouve trop beau aussi sur la tête. Oh, j'adore mes serre-têtes. Oui, c'est une obsession encore, mais j'ai tellement d'obsessions que vous commencez à avoir l'habitude. Hein, mais je l'adore. Et mon préféré que j'ai acheté sur Shein. Ouais, c'est mon préféré que j'ai acheté sur Shein, que j'ai offert à Manon dans le soir d'ailleurs. C'est celui-ci. Il est croisé. Il est trop, 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 trop beau. Et elle a craqué dessus quand j'ai fait mon haul. Et du coup, je lui avais déjà pris. Donc, je suis bien contente qu'elle en avait envie comme ça. Elle est vraiment contente. Mais oh, regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. J'adore. J'adore. Je suis totalement fan de mes petits serre-têtes. Bon, bah, je vais le laisser pour finir la vidéo. Donc, voilà. Vous voyez que j'en ai un paquet. Alors, je n'ai pas compté, par contre. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 avec ceux spécial fêtes. Ici. Et les headbands, je compte même pas les bandeaux et tout ça, je compte même pas. Mais j'ai les 20 serre-têtes et il faut que je me calme parce que j'en mettrai jamais 20 d'un coup. Hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes obsédé comme ça par les serre-têtes et lesquels sont vos préférés. Moi franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ceux-là. Je vais vous montrer... on fait le top 5. Allez, on fait le top 5.
1, 2, 3, 4. Je dirais ceux-là en top 5. Voilà, celui que j'ai sur la tête. Mon petit noir là que je mets depuis tellement longtemps. Celui-là de chez Shein en chaînette. Celui-là en beige. Je le trouve encore plus beau en beige qu'en noir parce qu'on le voit mieux sur mes cheveux. Et celui-ci d'AliExpress. Oh, j'adore. Voilà ce qui conclut donc cette vidéo. Parce que sinon, je vais parler de mes serre-têtes pendant 15 ans. Hein. Vous ne me connaissez pas. Hein. Et on passera donc, le prochain, ça sera les chouchous, barrettes et compagnie, parce que là aussi, j'en ai un paquet. Accrochez-vous, parce que moi, et les accessoires cheveux, c'est une obsession depuis que je suis gamine aussi, donc il y en a. Voilà, j'espère donc que ce petit récapitulatif de mes serre-têtes vous a plu. Et ben, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air et on se retrouve demain. Je ne sais plus pour quelle vidéo, mais on se retrouve demain de toute façon. Et en attendant, moi je vous dis bisous.